une sorte de chambre funéraire. Un panier en argent. C'était sûrement un objet de décoration. Mais quelqu'un s'en est servi pour transporter du grain. Magnifique. Quelqu'un s'est introduit ici à la faveur de la nuit. Il a rempli ses poches de pièces, renversé des jarres d'huile et de vin, et il a même manqué de respect à ceux qui sont inhumés ici. Je suis consterné à l'idée qu'un des nôtres puisse être dépourvu de cœur au point de profaner ce lieu pour s'approprier de basses richesses matérielles. Nous devons trouver un moyen de protéger cet endroit, même contre nos propres frères. Je peux utiliser l'autre bobine pour rapprocher le radeau de l'île. Nous sommes peut-être loin de chez nous, mais cela ne fait pas de nous des barbares. Quand nos êtres chers nous quittent, comme c'est arrivé trop souvent cette saison, nous les traitons avec le respect qui leur est dû. Quand nous n'avions pas encore de vignes pour produire du vin, nous lavions les morts dans les eaux du lac. Quand nous n'avions pas de métier pour tisser leur linceul, nous les enveloppions dans des fourrures et des peaux. Nous avions apporté quelques pièces, mais nous frappons désormais les nôtres, pour que les défunts puissent acheter leur passage dans l'autre monde. Si seulement le prix à payer n'était pas aussi grand. C'est pour le passeur.
Intéressant. Ils embaumaient leurs morts. Un calice en or, digne d'un roi ou d'un prophète. Il a été fabriqué ici, à Kitej.